Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Stable où on va découvrir les penthouses. Donc là, bah, il y a celui que j'ai acheté. En fait, j'ai déjà acheté un penthouse avant d'aller vous les montrer pour faire ça tranquillement. Et je l'ai appelé A. En fait, le cheval, il s'appelle A. Voilà. Parce que comme vous savez, maintenant, il y a les noms, les trucs. Enfin bref, en fait, on s'en fiche. Du coup, j'ai mis qu'un nom. J'avais pas d'idée. Le premier truc qui arrivait, c'était la lettre A. Il y avait le A tout seul, je l'ai appelé A. Bon, allez, du coup, on va aller d'abord voir le nouveau matériel dans la boutique globale pour équiper A, voir les coiffures et ensuite faire la petite revue des allures. Allez, c'est parti! Alors, on va regarder. On a des petites protections noires. Bah, mais les, comme ça. Donc, on va zoomer un coup, ouais. Ils sont pas si mal. On a ça en beige, en bleu, comme ça. J'aime bien, ça change. Et avec un peu de violet. Bon, si vous aimez, tant mieux. Moi, je trouve ça littéralement dégueulasse. Au niveau des selles, donc, on a la noire. Qui va avec bah, les guêtres noires, enfin bref, vous avez capté. On peut remarquer qu'ils ont changé les sangles, on peut vraiment voir que c'est comme des sangles en corde, donc c'est assez sympa. Ensuite, on a la selle grise. Bah, je ne comprends plus rien. Ça va avec quoi? Attendez. Ça va pas... bah, non, ça doit aller avec ça. Ouais, ok. C'est bien. Après, ça reste des coloris qu'on a déjà. Hop. On peut apercevoir aussi au niveau du siège de la selle, vous voyez qu'elle est assez décorée. Les petits détails de couture, franchement, elles sont très très bien faites et se rapprochent vraiment du réalisme. Alors hop, comme ça, je mets ce que je vais lui acheter. Enfin, en fait, je sais même pas ce que je veux lui acheter. Je suis trop débile. C'est ces guettes-là que je veux? Non, moi, je veux celle-ci. Mais ça va pas. Bon, bref, on s'en fiche complètement. On a des nouveaux licols qui sont eux aussi assez sympathiques. On peut voir comme les détails qui rappellent un petit peu la selle. Donc on a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais en fait, je crois que je vais acheter en marron. Voilà, comme ça. Si on descend un peu plus bas, on a aussi les tapis qui vont avec les selles. Donc celui qui est avec la selle noire, avec la selle marron, avec la selle violette. Oula. Et avec la selle, enfin le truc bleu. Du coup, hop là. Et il me semblait qu'on avait aussi... On n'a pas de filet. Ok, bon, on s'en fiche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter. Je crois que j'ai assez. Parce que maintenant, je ne me suis pas connectée, alors je suis riche. J'avais oublié les prix, c'est. Et franchement, SSO, pour les prix, ils ont un pet au casque. Est-ce qu'on peut acheter le licol? Ouais, j'ai de la chance. Ouais, donc SSO ont vraiment un pet au casque au niveau des prix. Hein. Au niveau des brides, non, il n'y a pas de nouveau bozal. Hein. Bah, c'est dommage. Au niveau des vêtements, bah, on n'a rien. Bon, bah, je crois qu'on avait plus de trucs. On va peut-être aller voir Orange Starshine. Et s'il y en a Orange Starshine, ce que je vous fais, c'est que je vous ferai la suite de la vidéo là-bas. Sinon, bah pour le matériel, c'est tout. Et franchement, je trouve que c'est du matériel qui est très bien fait. Dommage qu'on n'ait pas un petit bozal à la sortie. Mais en tout cas, c'est très 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 sympa. Ou des rênes pour le licol. Ça aurait été chouette, ça aussi. Bon, allez, on se retrouve soit pour Orange Starshine, soit on passe aux coiffures directement. Alors, concernant les coiffures, bah, c'est la merde. Hein, parce que vous voyez, j'ai plus de thunes. Donc, on a celle-ci qui n'a pas changé la queue. J'aime beaucoup celle-ci. Avec la petite natte. Non, on va pousser ça là. Avec la petite natte, je trouve que ça a un petit style. Ça lui change le toupet. Alors, est-ce qu'on peut le voir bien de face? Ouais, ça... Ah, ça lui épaissit le toupet, c'est sympa. Ensuite, on a ça. Alors, on va se remettre dans la bonne vue. Ouais, ok, la coupe courte. Ça lui va pas vraiment bien. Les pions. Bah, en vrai, les pions, c'est pas un cheval, entre guillemets, il peut avoir des pions. Mais ça a l'air de lui aller pas tout mal. Ensuite, on a cette crinière-là aussi, toute nattée, qui est plutôt jolie. Et on a, pour finir, la crinière en brosse. En fait, il a même pas de toupet, le machin, c'est une crinière. Ouais, ça me perturbe. Bref, voilà. Concernant les queues. Donc avec la queue de la natte, ça lui fait une tresse de queue. Donc c'est chouette aussi. Pour cette coupe-là, la queue ne change pas vraiment. Cette coupe-là non plus. Mais c'est quoi cette coupe? Je ne vous l'ai pas montré. Ah, c'est si on veut la queue normale, ok. C'est bien. C'est sympa, c'est-à-dire que si on veut la queue normale avec la natte, eh ben, on peut garder ça. Ah, c'est chouette. Du coup, c'est ce que je mettrais. Ça change pas sa queue. Là, avec les pions et là nouveau, la tresse de queue. Avec les nattes, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la même option pour les nattes où on peut laisser la queue normale. Et avec les pions, la crinière en brosse, il a la même queue. Donc les coiffures sont chouettes et moi j'aime beaucoup bah, celle-ci là parce qu'on a vraiment jamais eu ça au niveau des chevaux. Tout comme on n'a jamais eu ça au niveau des nattes. Pour la broche, je préfère largement sur le gros machin là. C'est quoi ça déjà? Le finlandais, voilà. Parce que là on a une crinière, genre, bah vous avez tous vu le dessin animé Spirit. Bah, si vous avez pas vu, c'est pas grave. Et bah vous voyez la crinière qu'il a quand le gros là il lui coupe les cheveux. Bah on dirait ça et du coup c'est pas très beau. Enfin moi je n'aime pas. Mais ça reste une option supplémentaire pour ceux qui aiment, donc c'est vachement chouette. Bon allez, on se retrouve à la revue des allures. Donc on est dans la halle, donc on a les animations à l'arrêt.
Bon, il est mignon, après, c'est des animations d'un cheval basique, hein. Clairement, un cheval se fait pas sans cette animation réellement. On peut voir qu'il baille, c'est rigolo, c'est mignon, tout le monde est content, il se tire moitié, bref. Il échoue, il se regarde le corps pour voir de base, il est toujours là, mais on peut voir qu'il n'y a rien sur son dos. Concernant le reculé, oula! Ça se rapproche du reculé du quarter, mais j'ai l'impression que le reculé va beaucoup plus vite et même beaucoup. Enfin, il n'y a aucune amplitude, ça, il n'y a pas d'amplitude, c'est beaucoup trop rapide, je trouve, c'est pas décomposé, ça prend pas le temps, ça fait tac 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 tac. Essayez de faire tac tac en même temps que le cheval bouge ses membres, vous allez comprendre de quoi je parle. Ça ne va pas, enfin, clairement, point négatif, par contre, l'écran très très bien animé, mais alors le reculé, ouch. Ensuite, le cabré. Ouais, cabré basique, c'est mignon, ça met pas trois plombes. Après, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est sympathique. Voilà. Ensuite, il a l'animation spéciale comme le quarter, donc il tourne sur lui-même, donc ça on connaît, on est à l'arrêt, on appuie sur la touche espace et patapam. Je trouve ça plutôt chouette que ce cheval ait cette animation-là pour un cheval à 850 Starcoin. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit du coup à 950. L'arrêt brutal. Ouais, c'est typique du comme le quarter, donc rien qui change. Concernant le pas, eh ben on en revient au reculé. C'est plus décomposé, mais vous voyez, regardez, je vais reculer. Sinon, il prend pas trop le temps de marcher. Néanmoins, la posture de sa tête est convenable. La queue est excessivement animée pour du pas. Sinon, c'est plutôt bien. Le crin au niveau, enfin, de l'avant-main très bien, assez bien animé. Le toupet surtout, on peut voir quand même que la crinière bouge un petit peu, donc ça c'est pas mal. Concernant le trot il se met en place. Donc niveau animation d'écran et tout, très bien. Il prend le temps de trotter. Il a... Non, le trot plutôt bien. Franchement, on voit pas de bug ni quoi que ce soit. Agréable. Le petit galop, j'aime beaucoup. Ça prend le temps. C'est sympathique à regarder. C'est fluide. Ça fait comme s'il avait un petit galop très léger. C'est agréable. Le galop moyen. Donc là, on voit qu'il se remonte un petit peu. Voilà, on passe de ça à un cheval un peu bas. Un peu bas. À son place que bas, non, il n'est pas hyper bas non plus. Un cheval qui va se redresser. Et je trouve que la transition du coup du petit galop au galop moyen est vraiment sympathique. Voilà, hop, pareil, il n'y a pas de saccade, il n'y a rien. C'est bien fait, c'est joli. Ouais, je vous remonte ma transition. Là, on est au petit galop. Et là, il prend le galop moyen, le machin. Et ensuite, le grand galop. Pas beaucoup. La transition n'est pas flagrante au niveau de son attitude. Ouais, on peut avoir galop moyen. Juste en fait, il secoue la tête et ses membres vont plus vite. Voilà. Et le mouvement de la queue est un petit peu excessif également, je trouve. Par contre, niveau crinière, toupette, très très animé, mais la queue, c'est excessif. Enfin, genre, à un moment, c'est bon, c'est la queue de ton cheval, elle fait ça, bah, pourquoi il est plus au grand galop ce machin? Moi, j'aime beaucoup la position de ses oreilles. On peut remarquer là, les oreilles qui vont un petit peu, qui bougent un petit peu, qui vont un peu d'avant en arrière, très légèrement, tout en ce qui. Tout. Comment qu'on dit ça déjà? Il les garde, voilà, on va dire qu'il les garde en arrière. C'est vraiment sympa. Là, vous voyez, elle commence à être en arrière. Ah, d'ailleurs, dès le petit galop, on peut voir qu'elle est comme ça. Vous voyez ça, elle balance un peu. Boum, boum. Regardez bien ses oreilles. Et bah, ça, en général, c'est-à-dire que les chevaux, réellement, ils sont décontractés, ils sont relâchés. Donc, on peut dire que le Paint Horse de la saison est un cheval relâché. Donc, c'est tout pour les allures. Maintenant, on va passer au saut. Donc, le saut au petit galop. Ouais, on va faire un arrêt sur image. Ah, il a un beau geste, hein, enfin, par rapport au quarter. Et heureusement, il n'a pas récupéré le saut du quarter qui était qui est littéralement dégueulasse. Non, plutôt joli, mignon, il est assez symétrique dans ses membres. Non, joli geste, les oreilles toujours couchées, comme s'il était en aérodynamisme. Le saut au galop moyen. Attendez, je fais un tournant. Parce que là, on ne peut pas sauter. Enfin, en vrai, si. Donc là, pareil, il a vraiment bien rangé le cheval. Non, vraiment, le saut, pour le moment, j'aime beaucoup. Il y a tout qui suit, il y a tout qui va, très bien. Et le saut au grand galop. Attendez. Ouais, après, c'est le même style. Hein. Ah! Il se creuse un peu le dos à réception. On dirait qu'en gros. Attendez, je vais essayer de faire une photo. En fait, on dirait que c'est pas. C'est pas là. Mais on dirait que sa base se remonte et se rapproche très fortement. Comme si, en gros, ils enlevaient des pixels, ils les rajoutaient pendant quelques millièmes de secondes. Mais c'est plutôt réussi. Hein. Vraiment, il a de belles. C'est un cheval qui a de belles animations. Donc, on est sur le Paint Horse. Je lui trouve pas grand-chose à reprocher. Si ce n'est son reculé, qui vraiment devrait être retravaillé parce que ça va pas du tout. Enfin. Cheval qui recule comme ça, bon, voilà, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Peut-être l'animation de la queue qui est excessive. Sinon, niveau. On n'a même pas été voir les Paint Horse, mais quelle gourde! Je vous emmène les voir direct après les autres robes. Niveau animation,
Elles sont bien faites, elles sont propres, elles sont fluides. Il n'y a pas grand-chose à reprocher. Non, c'est un cheval sympa qui a un bon rapport qualité-prix. Bon, je vous emmène voir les autres Pent Horse, hein, parce que du coup, j'ai oublié. Nous avons celui-ci, un petit pinoir. Donc, il est mignon, il me fait penser à une petite vache. Ils sont tous disponibles à la halle équestre. J'ai hésité aussi avec celui-ci, mais je pense que je finirai peut-être par me le prendre quand j'aurai assez de Starcoin, parce que j'ai pas envie d'en racheter. Clairement, je me connecte pas assez pour me dire, ouais, vas-y, je me rachète des Starcoins. Hein, clairement, des fois, je me viens pendant 2 mois, ça fait un nouveau cheval. Il est vraiment très mignon. Ensuite, nous avons. Allez, passe par là. Celui-ci. Alors, au niveau des bandes sur les yeux, c'est très partagé. Pour ma part, j'aime pas du tout. Par contre, c'est très bien qu'Accesso ait fait ça, parce que ça change des marques en tête classiques, on va dire. Donc pour ceux qui aiment, vraiment, la couleur est chouette. Enfin, en gros, ils sont tous. Niveau couleur, ils sont tous chouettes. Mais après, lui, les bandes sur les yeux, je n'aime pas, mais si vous aimez, ça vous fera un cheval original et qui n'a pas. C'est le seul qui a ces marques-là dans le jeu. Ensuite, nous avons celui-ci qui me fait très penser, ce qui jouerait d'aide au Missouri Fox Trotter, juste au niveau de la robe, hein, parce qu'on en a un comme ça. Il est mignon, on peut voir qu'il on dirait un petit panda avec ses deux taches grises là qui lui entourent les yeux. C'est assez sympa. Et c'est original. Ils ont vraiment bien travaillé, là, il n'y a pas grand-chose à redire par rapport au travail des robes du Pandore. Donc voilà, bah d'accord. C'est ici que s'arrête cette vidéo. Bah, qu'est-ce qu'elle a tourné toute seule cette caméra? Voilà. Donc sa vidéo s'arrête ici. Donc et moi, est très content de vous la faire. Hein. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Star Stable. Du coup, vu que je compte acheter un Pandore, je me suis dit, allez, faisons une vidéo, présente-le, dis ton avis. Donc n'hésitez pas à vous dans les commentaires à me dire votre avis, lequel vous avez acheté, comment vous l'avez appelé. C'est toujours sympa. Sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao! Ou une bonne soirée, bon appétit, joyeux Noël, joyeux Pâques, ce que vous voulez en fait, on s'en cogne. Allez, salut!